Bon, ben ça y est. On est rendu aux îles de Boucherville. Je suis en raquette. Chris, que j'haïs ça. Ça marche tout croche, puis en plus, les trails sont toutes tapées. On aurait bien pu faire ça à pied. Si j'haïs ça, je marche comme une envie de chier, ça va mal. Par contre, c'est une superbe journée. Il fait super beau. On est bien dehors. C'est en train de fondre. C'est vraiment une journée style de printemps. C'est-tu que j'haïs ça? C'est-tu que ça marche mal? T'as réussi à me sortir aux îles de Boucherville, puis tu trouves le moyen de chialer. Oui. Parce qu'on part après dîner. Ça fait 6 mois qu'elle me parle des hosties d'îles de Boucherville. On est aux îles de Boucherville, elle est pas contente. Voyez-vous un peu ce que je suis en train d'endurer, hostie. Cette semaine à la suggestion Netflix, un autre documentaire. Cette semaine, je vous parle du documentaire de c'est quoi le titre? Cette semaine, je vous parle du documentaire The Great Alone. C'est l'histoire d'un gars qui essaye de rebâtir sa vie. C'est un gars qui l'a pas eu facile. C'est une espèce de... On va se le dire franchement, il a de l'air un peu BS. Ça fait plusieurs fois qu'il participe à une des plus grosses courses de chiens en Alaska. Ça s'appelle le... C'est quoi le titre? Ça s'appelle le Edita Rod, c'est une course de chien qui dure plusieurs jours. C'est à travers l'Alaska. On suit le gars dans une espèce de tentative où est-ce qu'il joue le tout pour le tout. Le gars, il a pas d'argent, il fait ça avec du vieil équipement. Mais surtout, c'est qu'on apprend à connaître le gars à l'intérieur. Le gars a des gros daddy issues. Il essaie de prouver de quoi à son père depuis des années. Un père qui a abandonné sa famille et puis lui, il essaie de regagner, disons, l'amour de son père en essayant de lui prouver qu'il peut être un champion. C'est vraiment bon. On suit la course du début jusqu'à la fin. C'est vraiment touchant. Les images sont exceptionnelles. Puis c'est une espèce de... C'est une espèce de documentaire, un peu de drame sportif. C'est vraiment bon, je vous le suggère. Ça s'appelle The Great Alone. C'est disponible sur Netflix. Calice, c'est soufflant ces histoires de karaté-là. J'amène ma fille au mail. Elle s'en va magasiner avec, elle s'en va faire le shopping avec son amie. J'aime ça parce que ma fille a tellement de conscience de la mode qu'en plein hiver, elle porte des beaux souliers, des beaux vannes, pas de bas, rien. Et j'ai des bas. J'ai des bas vannes. T'as pas de bas là-dedans? J'ai des bas, papa, je te jure que j'ai des bas. T'es même pas à 3 cm d'être en sandales, là, tu sais. T'as de l'air fine, là? Et toi aussi. Regarde. Je te jure, si je tourne la tête, c'est trop drôle. Bon, on est dimanche. Je passe un beau week-end avec ma grenouille. T'as-tu passé un beau week-end, ma grenouille? Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On est allé faire de la raquette? Ouais. T'as-tu aimé ça? Ouais. Mais, t'as chialé tout le long parce que tu voulais aller manger des guimauves. Mais j'avais faim et tu m'avais dit qu'il allait en avoir. Je m'excuse, c'est vrai. Je t'avais dit qu'on irait manger. C'est parce que là-bas, il y avait des feux. Il y avait des espèces de bacs avec des feux. Puis les gens, ils pouvaient faire griller des guimauves. Ils donnaient des guimauves avec des bâtons. Puis là, quand on est arrivé, ça sentait... le bon feu, puis tout le monde mangeait des guimauves, puis là, ben nous autres, on s'est mis à faire de la raquette, on est allé prendre une petite marche, puis j'avais dit à ma fille qu'on retournerait manger des guimauves, mais on avait dit qu'on était tellement chialeuse qu'on est parti avant. Pauvre elle. À cause qu'on ne nous a pas mangé. À cause de quoi? À cause qu'on ne nous a pas mangé que j'ai chialé. Ouais.
c'est un petit peu chiant. Ouais, mais t'étais chialeuse en général, par exemple. Non? J'avais faim. Dimanche, on vient d'enregistrer le premier épisode de Sous-écoute, en fait l'épisode 103. Chris, ça soit, on a de la grande visite, c'est ça, on a Floyd Snowlands qui est avec nous autres. What's up? What's up? T'as-tu aimé le premier show? Le premier show, c'était avec Guillaume Wagner et Phil Sigma de Signa, de Sexe Illégal. C'était bon, hein? Je pense qu'ils vont faire jaser, par exemple. On verra. D'après moi, les commentaires vont peut-être être un peu rough. Rien. T'es laid. Tom, 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 ta-da-da, 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 ta-da-da-da. On est lundi matin, j'ai passé une nuit presque blanche, c'est-à-dire que j'ai fait des petits bouts de montage quand j'avais du render ou de la compilation à faire. Ben j'allais me coucher pendant que l'ordinateur était en train de compiler. Puis après ça, je me relevais quand c'était terminé, j'allais faire un autre petit bout de montage. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à pouvoir sortir l'épisode de Sous-écoute. Là, il est midi. Faut absolument que je me réveille pour le reste de ma journée. Faut plus que je dorme parce que sinon je vais scraper ma prochaine nuit. Fait que le combat de la journée aujourd'hui, ça va être de me battre contre la sieste. Il y a plein de choses que je veux faire. J'ai du lavage à faire. Je veux faire un stream. Si je trouve l'énergie pour faire un bon stream, je vais essayer d'en faire un. Et puis idéalement, faudrait que je sorte de chez moi à 2h. À 2h de l'après-midi, il faut absolument pas qu'il y ait autour de moi, à moins de 10 pieds de moi, un sofa, un lit ou quelque chose qui va me permettre de faire une sieste. Sinon, je m'écrase là-dessus, puis je dors. Puis il faut absolument pas que je dorme avant ce soir. Fait que c'est ça, vous m'avez vu en pyjama, un vieux t-shirt de bière, des crocs, des boxers. Aïe, aïe, aïe. Bon, let's go, on passe cette journée-là. Je faisais les crapules, là. Tu sais, j'avais été présenté, ça, je la raconte tout le temps, cette histoire-là. C'est l'histoire de ma vie, là. Mais quand j'ai fait les crapules, tu sais, les crapules, à la base, c'était un projet d'émission de télé. Fait que j'avais écrit ça comme une émission de télé, puis tout. Puis là, j'avais approché du monde pour faire les coups de téléphone, tout. Puis en approchant du monde, j'avais approché un humoriste qui fait des coups de téléphone. Je le nommerai pas. Mais toujours est-il que j'y ai présenté le projet. Lui, il a bandé ben raide. C'est comme c'est la première fois que quelqu'un pensait à faire des coups de téléphone en dessin animé. Ça s'était jamais fait. C'était nulle part. Je suis allé présenter ce projet-là. Puis après ça, cet humoriste-là. Puis là, ben, ça n'a pas marché avec cet humoriste-là. Puis cet humoriste-là a commencé à m'envoyer des mises en demeure. Comme de quoi que c'était son projet. Ouais, un asti de crosseur, lui puis son producteur. Okay. Ils se sont unis. En fait, ils se sont unis avec une autre maison de production que j'étais allé voir. Ils se sont unis ensemble pour faire ce projet-là, mais ils me voulaient pas dedans. Fait qu'ils ont commencé à m'envoyer des mises en demeure comme de quoi que c'était pas mon projet, c'était eux autres qui pensaient à ça, d'arrêter de vendre ce projet-là, tout ça. Fait que moi, là, ça m'a coûté au bas mot 10-15 000 $ d'avocat. Ça m'a crissé en dépression, ça a miné. Tu sais, dans ce temps-là, j'étais avec mon ex, j'étais avec Hélène. Ça a miné ma relation avec, tu sais, ma relation de famille. Je venais de m'acheter une maison, j'étais en pleine rénovation, ça m'a crissé à terre, tu sais. Fait qu'imagine un cas comme Mike, où est-ce que... Tu sais, moi, j'avais pas tout le Québec sur le... Je le nomme pas parce que...
Je le nomme pas parce que c'est Réal Bellin, je l'aime pas.